Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le mal criant de l'Afrique et le mal même, c'est la sorcellerie. Vous savez combien de fois la sorcellerie avait détruit d'abord auparavant les pays, c'est-à-dire le continent européen, américain. Ils sont mis dans la chasse aux sorcières et ça a porté pendant 3 siècles, du 15e, 17e siècle. Ils ont pratiqué la chasse aux sorcières et ils ont connu le siècle glorieux qu'on appelle le siècle de lumière de la révolution industrielle. Vous savez, le problème de l'Afrique. L'Afrique, il y a, n'est-ce pas, des grandes richesses en Afrique. Il y a tellement de bonnes choses en Afrique. Le problème qui mettait l'Afrique dans la pauvreté et les Africains en général, c'est la présence de la sorcellerie. Parce que là où il y a la sorcellerie, que tu sois blanc ou noir, si il y a la sorcellerie dans ta vie, cette sorcellerie te maintiendra, n'est-ce pas, dans le non-aboutissement et dans la maladie et tout ça. Et c'est ce qui mettait l'Afrique dans le sous-développement. Et sur cela, à chaque époque, vous savez, Dieu donne, n'est-ce pas, une onction à quelqu'un afin de pouvoir, n'est-ce pas, œuvrer dans ce sens-là. Le prophète, Dieu grâce que je suis, j'ai reçu un mandat de Dieu pour la destruction des œuvres de la sorcellerie. Je démarre une tournée européenne. Voilà, une tournée européenne. Écoutez-moi très bien, je suis déjà venu plusieurs fois en Europe et cette fois-ci, ça sera vraiment quelque chose de très spécial. Tu es victime du cancer, n'est-ce pas? Tu es victime de pauvreté, tu es sans papier et la sorcellerie mit ta vie. Certainement tes enfants ont été initiés par la sorcellerie. Certainement tu as entendu parler dans une révélation que ta vie a été, n'est-ce pas, envoûtée par un sorcier. Ne rate pas ce programme, c'est pour très bientôt, exclusivement dans le mois de mars. J'arrive avec ma délégation dans le mois de mars, dans le pays Espagne. En Espagne et à Madrid, je serai en Espagne, à Madrid. Je serai aussi, par la grâce de Dieu, en France. Et cette fois-ci, dans 2 villes françaises, Lyon et Toulouse. Je serai aussi en Grèce, par la grâce de Dieu. Je serai aussi en Italie et précisément à Milan. Et c'est ma première fois, une croisade à Milan. Donc, dans nos 4 pays européens, ne ratez pas l'événement. Tu es malade, tu as le cancer, tu es paralysé, tu es envoûté. Et tu n'as pas de papier, tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à joindre les deux bouts. Il y a un esprit de mari de nuit, de femme de nuit qui mine ta vie. Ne rate pas ce programme. Nous sommes en train de vous dire, il y a quelque chose de merveilleux que Dieu prépare pour toi qui est en train d'écouter cette vidéo. Et pour toi qui es sur le sol européen, c'est l'heure de ta délivrance a sonné. Il y a certaines personnes qui disent, mais il y a des personnes à qui Dieu a mandaté et que l'onction de délivrance en compagne. Vous savez très bien, quand vous regardez nos vidéos, vous comprenez bien que c'est notre spécialité. La spécialité de ce ministère, c'est les traques de la sorcellerie, la délivrance même des sorciers, la destruction de leurs œuvres et libérer, n'est-ce pas, leurs victimes. Ne manquez pas ces grands programmes. Et pour être en contact, n'est-ce pas, avec le comité d'organisation, bien sûr, pour tous ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, avoir des contacts, les contacts sont les suivants. C'est +337 62 40 24 84. C'est le comité d'organisation. Pour vous qui êtes, n'est-ce pas, en Espagne. Déjà en Espagne, pour Madrid, vous rentrez en contact avec le comité d'organisation. Pour vous qui êtes en France, à Lyon et à Toulouse. Pour ceux qui sont, n'est-ce pas, à Milan, en Italie, rentrez en contact avec ce comité d'organisation. Pour ceux qui sont, n'est-ce pas, en Grèce, rentrez sur le seul numéro actuellement qui, n'est-ce pas, le comité d'organisation. Voilà, vous rentrez en contact. Et pour maintenant, vous rentrez en contact pour déjà, pour qu'on puisse déjà vous inscrire pour les réceptions, pour les rencontres et tout ça. Donc, shalom, on aura l'occasion, n'est-ce pas, de faire une autre vidéo pour vous donner les dates définitives des différents pays. Shalom, que Dieu vous bénisse.